Bonsoir à toutes et à tous. Une bombe sociale, c'est le terme utilisé pour décrire la crise de l'immobilier. Les banques distribuent quasiment deux fois moins de crédits. La construction de logements neufs également est quasiment divisée par deux. Dans l'ancien, le marché est bloqué. Résultat, les jeunes générations, faute de pouvoir acheter, se reportent sur la location qui est complètement saturée. Et on n'a peut-être encore rien vu, car avec les nouvelles normes environnementales de performance énergétique, nombre de logements pourraient devenir impropres à la location et être retirés du marché. Une bombe sociale, donc, puisqu'on parle là de ménages insérés dans la vie active, mais qui ne peuvent plus se loger, se projeter dans une vie de famille. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Immobilier, la bombe sociale ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Buzy-Cazot. Vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services de l'Immobilier, membre du Conseil national de l'Habitat et du Conseil national de la Refondation. Bonsoir. Emmanuel Dutheil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Pascal Hébel, directrice associée chez Seaways. Et Jean-Laurent Castelli, vous êtes journaliste, essayiste, vous écrivez sur le mode de vie des Français et vous êtes le co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Henri Buzy-Cazot, on va essayer de se mettre à la place de ces jeunes qui n'ont plus accès au crédit. Donc on l'a dit, moins 40% pour l'octroi de crédit sur un an. Alors ce sont donc des gens insérés dans la vie active qui s'entendent dire, je cite, « vous n'êtes pas finançable », donc on leur refuse cette envie qu'on a tous quand on débute dans la vie, c'est de se projeter, d'avoir un toit, de construire, de se lancer dans la vie. Oui, le vrai préjudice de cet effondrement dans la production de logements neufs, dans les transactions, c'est à peu près moins de 35% sur les transactions, ce sont ces projets d'une moitié des Français qui n'aboutissent pas. Alors, les victimes désignées sont les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, sans un apport personnel conséquent, on n'a pas de crédit, ça c'est écrit, l'équation ne s'équilibre pas, les prix n'ont pas encore suffisamment baissé pour redonner de l'oxygène assez jeunes ou assez moins jeunes. Les travailleurs en mobilité sont en difficulté. Le MEDEF, la CEPME ont établi qu'un emploi sur cinq était refusé par une personne jugée compétente parce qu'elle ne peut pas trouver de logement à proximité d'entreprise, le télétravail ne faisant pas tout. Ça a des conséquences sur l'emploi. Enfin, c'est plus difficile de trouver un logement aujourd'hui qu'un emploi. C'est inversé par rapport à il y a 20 ans. Oui, et d'ailleurs, très clairement, dans les permanences des élus, je voyais un maire de région parisienne il y a deux jours, 10 personnes qu'il reçoit, 8 d'entre elles viennent le voir pour une question de logement. Il y a 3 ans, c'était 8 personnes pour des questions d'emploi. Ah, oui. Donc très clairement, on a cette inversion. Et on voit même, d'ailleurs, puisqu'on parle des jeunes, des jeunes qui renoncent. Là, j'ai pas autant un emploi, je peux me débrouiller, là, le logement. Oui, puis le logement, on vient le voir, certes, plutôt pour des logements sociaux, mais aussi éventuellement pour trouver une réponse dans le parc privé, en location ou à l'achat. Et les maires sont démunis. On a même des interruptions de projets de formation, c'est-à-dire des jeunes qui sont pris dans une université, qui sont pris dans une école, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, et qui, faute de logement, interrompent leur parcours. On sait aussi, l'exemple de Lyon est frappant, que 80% des places de camping dans cette période sont occupées par des jeunes étudiants en attente de logement. Les étudiants, maintenant, étudient en camping. Ah mais très clairement, dans ces grandes villes universitaires, j'en ai cité une, on pourrait citer Lyon, Rennes, Marseille, on a ce phénomène-là de logements précaires pour ceux qui tiennent le coup, qui se disent on va trouver. Et vous avez une situation du marché de la location qui, bien sûr, connaît un report de l'accession. Ceux qui ne peuvent pas acheter, qui seraient en situation de le faire, des jeunes ménages, ce report sur la location, ils viennent rallonger des files qui déjà étaient très chargées. Le parc locatif privé ou HLM ne suffisait pas, on le sentait depuis des années. Un chiffre s'agissant des HLM, pour ceux qui sont éligibles, une grande partie de la population, 2 400 000 demandeurs au moment où on parle, c'est deux fois plus qu'en temps normaux. Dans des temps normaux, on avait 1 million, 1 million 5, 1 million 6. On a 2 millions 4 demandeurs de logements sociaux et 25% de pression en plus sur les logements locatifs privés, avec des villes, celles que j'ai citées notamment, où c'est 50% de pression de plus. Voilà, donc tous les segments sont bloqués, qu'on parle de l'achat, de la location, tout est au rouge. Du neuf ou de l'ancien, on a des indicateurs rouges. Oui. Jean-Laurent Castelli, le logement, le foyer home, comme disent les Anglais, c'est au cœur du projet de vie. Ça veut dire quoi pour ces jeunes? C'est la douche froide quand ils voient que leur projet de vie, c'est non.
Vous n'êtes pas finançable. Pour les jeunes et les moins jeunes, parce que ce qui est intéressant, c'est la chambre du petit, hein. Ce qui est intéressant dans cette crise immobilière, quelque part, c'est qu'elle concerne de plus en plus de segments de Français et de plus en plus de territoires. En fait, il y a une sorte d'extension de cette crise qui va au-delà de la région parisienne, au-delà des grandes... Il y a 10-20 ans, ça n'intéressait que les gens des grandes villes de parler immobilier. Les autres s'en fichaient parce que voilà, ils avaient une maison, un appartement, ce n'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui, on voit que cette tension concerne de plus en plus de territoires. Les grandes villes, je l'ai dit, mais aussi les premières couronnes, les banlieues, les couronnes périurbaines, mais aussi les zones littorales, méditerranéennes, atlantiques, mais aussi un certain nombre de villes dynamiques parce qu'elles sont sur le tracé du TGV ou qu'elles sont bien connecté justement au marché de l'emploi et de plus en plus donc de segments de Français, les jeunes, vous l'avez dit, les jeunes étudiants parce qu'ils hésitent à aller étudier dans une grande métropole, mais aussi les jeunes qui ne sont pas étudiants, il y en a beaucoup qui veulent rester habiter là, près de là où ils ont grandi tout simplement, et puis les moins jeunes, les actifs, la chambre des enfants, l'obligation de s'éloigner pour avoir plus grand ou l'obligation, je dirais, de payer autant ou plus pour avoir moins bien que ses parents. Et ça, ce sentiment de déclassement, il est très, très fort. Mais Jean-Laurent Casselli, voilà, la question SMS de Betty dans l'Essonne. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a de plus en plus de besoins de logement alors que la population en France semble assez stable? Mais parce que la géographie aussi, de l'activité a changé. Pourquoi les gens veulent habiter dans la région parisienne? Justement, non, ils ne veulent pas. Mais ils le font et ils continuent à le faire même après le Covid parce qu'il y a un grand nombre d'emplois déjà, ils sont concentrés. Les emplois sont dans les métropoles. Voilà. Quand on choisit un logement, on a deux critères. On a la qualité de vie, une vue sur mer, la nature, un jardin. Et puis on a... la question de l'emploi. Voilà. Est-ce que je serai à 20-30 minutes de mon boulot? Est-ce que ça va être compliqué d'y aller? Est-ce que je vais être dans les bouchons? Je vais galérer tous les matins? Est-ce que j'aurai un RER à l'heure ou un TER? Voilà. On va dans les villes agréables ou dans les villes où il y a du travail? Voilà. Et c'est pour ça que le périurbain, la maison individuelle avec jardin cartonne chez les Français depuis 50 ans, parce que ces territoires-là promettent en théorie les deux. Voilà. Pascal et Belle, on ne cesse de parler du prix des pâtes, on ne cesse de parler du prix des carburants, on parle beaucoup moins logement pourtant. C'est un budget autrement plus conséquent dans le, qui pèse dans le budget des ménages. Oui, tout à fait. Hein. Ça pèse 28% des dépenses de consommation. Ça a doublé depuis 40 ans. Et c'est le premier poste, bien sûr. C'est deux fois plus que le budget alimentaire. Et on est le pays d'Europe où ça pèse le plus, en fait, hein, par rapport à tous les autres pays européens. On est juste derrière la Slovaquie, donc des pays qui ne nous ressemblent pas du tout. Et surtout, ça fait une croissance énorme, beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'on a en effet ces problèmes, surtout sur le prix du loyer, et pas tant que ça finalement sur le prix de l'énergie, puisqu'on a une énergie qui n'est pas chère. Donc dans le poste logement, on a vraiment cette partie de comment on se loge, et plus toutes les dépenses qui sont autour de... Vous diriez que c'est l'éléphant au milieu de la cuisine qu'on ne veut pas voir. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet où beaucoup de gouvernements ont essayé de résoudre les choses en faisant quand même les lois Pinel, etc. On vient de les arrêter, ça ne fonctionnait pas bien. Mais c'est vraiment un domaine où on a quand même eu le droit au logement qui s'est mis en place il y a quelques années. Et c'est un domaine où, en effet, on a arrêté, là, en tous les cas, depuis quelques années, de produire du logement social. Hein. Depuis quelques années, avec le Covid, les investissements se sont un peu bloqués. Et, en effet, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, même si, c'est évidemment crucial, puisque, évidemment, se nourrir et se loger, c'est quand même ce qu'il y a de plus indispensable dans la vie. Alors, Emmanuel Dutheil, côté maintenant construction, l'usine nouvelle, on l'a dit au début, hein, la construction de logements neufs, c'est moins 40%, hein, je crois. On a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que c'est toute une filière qui est à l'arrêt et on n'en parle pas beaucoup, ça aussi? À l'arrêt, non, mais peut-être qu'il faut revenir aux raisons de pourquoi on en est là aujourd'hui. Vous disiez, pourtant, on a l'impression que la population est relativement stable, certes, mais on n'a pas construit suffisamment de logements, et ce, depuis 20 ans. Regardez François Hollande dans sa campagne présidentielle, après Emmanuel Macron, ils ont fait d'énormes annonces pour dire on va construire des millions de logements. On y arrive. Jamais. On n'arrive pas à être au niveau de production. Donc aujourd'hui, il y a tout simplement, avant toute chose, et quelles que soient les raisons que nous puissions avancer, nous manquons tendanciellement de logements. Alors pourquoi? Parce que c'est en France, on n'a pas assez de ce qu'on appelle le foncier, hein, c'est des terrains à bâtir. Avant même qu'on mette la loi sur le zéro artificialisation net, hein, il y a plein de maires qui ne libéraient pas suffisamment de foncier pour pouvoir construire. Les normes pour construire se sont beaucoup durcies ces dernières années. Il y a eu un renchérissement extrêmement important, au-delà même de l'inflation actuelle. Mais ces normes font qu'il y a un renchérissement du coût de la construction.
construction. Et donc, ça fait que tout ça est plus cher au bout du bout. Donc, pas assez de logements. Et quand il y en a, ce sont des logements assez chers. Donc, c'est important, je pense, de revenir à cela. Parce que c'est à cause de cela que nous en sommes là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est à l'arrêt ? Pas encore totalement, parce que qu'est-ce qui baisse aujourd'hui ? C'est les permis de construire et ce qu'on appelle les mises en chantier. Un permis de construire, c'est quand vous allez construire demain. Donc, il y a encore aujourd'hui beaucoup de travail du côté du bâtiment, mais ça va être le cataclysme d'ici quelques mois. Et ce qui étonne tout le monde, c'est que tout le monde avait vu venir ce ralentissement, cette crise. Peu de gens, moi j'ai vu pas mal d'acteurs ces dernières semaines, avaient imaginé que ça allait aller si vite et que ça allait descendre si vite. Et notamment sur le neuf en France, là il y a un arrêt total. Et même un petit peu sur l'ancien, sur la rénovation dans l'ancien, à cause, là une fois de plus, de l'augmentation des prix, il y a un ralentissement. Donc pour le moment, on construit encore. Pour le moment, il y a du travail. Donc quand le bâtiment va, tout va. Donc pour le moment, ça va encore à peu près. La seule certitude, c'est que la catastrophe, c'est pour demain. Alors, les logements trop énergivores pourront-ils toujours être loués en 2025 ? Après s'être dit favorable à un délai, cette semaine, le ministre de l'Économie a été forcé de faire machine arrière. Pour justifier sa position, Bruno Le Maire invoque la situation du marché de l'immobilier qui tourne au ralenti. Sujet de Léo Seux avec Erwan Ilion. Les propriétaires de cet appartement parisien n'avaient plus le choix. Classé G, avec une consommation énergétique au-delà des seuils autorisés, impossible de louer. Aux commandes des travaux, Pierre-Antoine Ménez, gestionnaire de biens. Ici, j'ai un croquis, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Je dois isoler tous les murs extérieurs. Ensuite, je vais avoir la liste de ce que je dois faire. Ici, je dois isoler le plafond sous comble. Je dois changer mon système de chauffage. Mettre une ventilation, pas n'importe laquelle. Une feuille de route pour sortir cet appartement de la catégorie passoire énergétique. Mais ces travaux ont une conséquence. Ici, c'est l'isolant. Oui, c'est pas très lourd. Donc ça, ça fait 14 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, techniquement ? C'est qu'on vient d'isoler 10 mètres linéaires de mur. Donc 10 mètres linéaires de mur par 14 cm égale 1,40 m de perdu. Donc le propriétaire, si on part du principe que c'est 10 000 euros le mètre carré, il a juste perdu 15 000. Et ça, il ne retrouvera jamais. L'appartement s'est réduit. Un bien déprécié en plus du coût des travaux. Encore 15 000 euros pour cet appartement qu'il faut pouvoir financer. En pleine crise du logement et face à cette chasse aux passoires thermiques, avec des critères de location amenés à se durcir progressivement d'ici 2034, ce mercredi, Bruno Le Maire met les pieds dans le plat dans une interview aux Parisiens. Il veut donner du temps aux propriétaires. Il faut être très pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. À titre personnel, j'y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés. Une proposition aussitôt critiquée par l'opposition, comme la majorité, et jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas renvoyer à la cinglinglin. Je crois que ça, c'est une trajectoire que l'on a prise et qui est importante et il ne faut pas renoncer. Donc il a tort, Bruno Le Maire, parce que c'était prévu 2025. Mais je ne suis pas là pour dire il a tort, il a raison. Je vous dis ce que je pense, moi. Quelques heures plus tard, rétropédalage du ministre. Pas question, finalement, de modifier le calendrier. Reste que ces mesures pourraient peser encore un peu plus sur un marché locatif, déjà très tendu, notamment dans les grandes métropoles. Car la facture des travaux de rénovation peut parfois être dissuasive. Les propriétaires qui aujourd'hui sont propriétaires de passoires thermiques vont être confrontés forcément à un choix, faire les travaux ou vendre. Et un certain nombre d'entre eux vont choisir de vendre leurs biens. Donc forcément, ça va encore plus diminuer le parc locatif. Alors dès qu'une annonce est publiée, cet agent immobilier croule sous les demandes. Cet appartement situé en région parisienne affiché à 1090 euros n'échappe pas à la règle. L'appartement, il fait 42 mètres carrés. C'est un appartement de deux pièces. Et on a une très très belle vue sur Paris, sur les monuments. Et on a eu une 50 demandes de locataires. On a eu une trentaine de dossiers et on a fait 15 visites. C'est beaucoup plus que d'habitude ? Oui, par rapport à l'année dernière, on a à peu près deux fois plus de contacts. Difficile donc de trouver un appartement à louer. Après une semaine de recherche, Pauline et Jade sortent tout juste d'une des deux seules visites qu'elles ont réussi à décrocher. Et elles se font peu d'illusions. On a envoyé au moins une cinquantaine de messages pour juste au moins visiter les appartements. Et en fait, quand on vient, il y a 50 autres personnes qui avaient eu la même idée. Donc
Ouais, c'est un peu décourageant. Nous, on se dit qu'on trouvera jamais, quoi. Alors qu'on veut juste... Enfin, on travaille à Paris, il faut qu'on trouve à se loger. Et encore, on n'a pas le pire des dossiers, quoi. On a une situation stable, donc... Voilà, j'imagine pas pour les personnes qui ont un métier plus temporaire ou un dossier plus précaire, ça doit être quasi impossible, quoi. Une situation pas prête de s'améliorer avec la hausse des taux d'emprunt. Beaucoup de locataires se retrouvent bloqués dans leur projet, sans pouvoir quitter leur logement, contribuant ainsi à saturer le marché. Pascal et Belle, bon, quand on a du bien, on a du mal, hein, comme on dit. C'est un vrai stress pour les propriétaires, ces histoires de normes à respecter. Là, quand on est logement G, donc on ne pourra plus le mettre en location à partir du 1er janvier 2025. Oui, tout à fait. Donc en effet, tous ceux qui sont propriétaires et qui louent sont obligés de faire les travaux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que le marché est ralenti aussi à cause de ça, puisqu'on ne veut plus, quand on est investisseur, on ne veut plus acheter du G+, du G, et on va tout de suite vers du ABCD, parce que c'est ce qui n'aura pas besoin d'être rénové. Et ça fait, en effet, baisser aussi les prix de tous ces appartements qui sont en G. Rappelons quand même que c'est important de rénover, hein, puisque c'est complètement basé, ces notations, sur les consommations énergétiques. Hein. Si on est en G, c'est qu'on a une consommation de plus de 420 kWh par mètre carré. Donc, louer beaucoup de chauffage l'hiver, et il fait très chaud l'été sûrement. Voilà, parce que quand c'est fait. Mal isolé, ça marche donc, dans les deux sens. Les prix de l'électricité vont augmenter de 10% en août, ont augmenté de 15% en janvier. On sait bien que ça va continuer à augmenter le prix de l'énergie. Donc il vaut bien qu'il y ait une rénovation pour diminuer les dépenses des locataires, parce que ceux qui ont le plus de difficultés, c'est en effet ceux qui sont locataires. Dans le logement social, les investissements sont faits, mais c'est dans la location privée qu'il n'y a pas d'investissement pour rénover. Henri Buzy-Cazot, on parlait du manque, de la difficulté de trouver un logement à louer. On s'apprête, de quoi on parle là, ces logements G et F? C'est 5 millions de logements, 17% du parc. 5,2 millions. Ouais, 5 200 000 logements qui pourraient être retirés du marché si on ne fait pas les travaux. Et à Paris, c'est 31% des logements qui sont F et G. Donc on s'apprête, si on ne fait rien, à retirer du marché parisien un tiers du parc locatif. Oui, j'ajoute que les G+, c'est-à-dire les plus gros consommateurs et les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, parce que c'est la deuxième donnée qui est montrée du doigt, depuis le 1er janvier 2023... et ça fait 100 000 logements, ne peuvent plus être reloués. Donc, ça a commencé. Le coût est déjà parti. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les propriétaires mettent sur le marché, arrêtent de louer, et mettent sur le marché ces logements? Non, il ne faut pas forcer le trait. Il y a une grave inquiétude. C'est vrai qu'ils se demandent s'ils doivent conserver, comment faire les travaux, quels travaux, est-ce que les diagnostics sont fiables, à quel prix. À toutes ces questions... Il y a des réponses, elles ne sont pas faciles, et pour moi, je dis que c'est l'attitude du ministre, nouveau ministre du Logement qui est la bonne. Il dit, on ne va pas commencer par décaler le calendrier, on ne va pas commencer par là. C'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire, hein. Suggérait. Bruno Le Maire, lui, disait, il faut décaler. Le ministre dit de manière beaucoup plus pragmatique, et je crois qu'il a raison, parce que le signal est donné par le calendrier de la loi climat-résilience, il ne faut pas affaiblir ce signal. Il faut faire ces rénovations, le confort de vie, les économies d'énergie, la planète exige qu'on le fasse, il ne faut pas décaler, mais il faut trouver les moyens. Alors les moyens, on est en train de fiabiliser les diagnostics, ça c'est le premier point, on a un problème d'entreprise aujourd'hui, il n'y en a qu'une sur dix qui a la compétence et qui donne accès aux aides, une sur dix, là on en avait une sur six il y a encore six mois, et puis il y a les financements. Et les financements, les primes, les aides publiques ne vont pas tout faire, là le gouvernement, c'est ce qu'il a vraiment fait de bien, a abondé ma prime Rénov' de 2,5 milliards dans le budget qui va être voté. Les aides publiques sont fortes, mais les banques elles-mêmes ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire pour financer la rénovation énergétique. Emmanuel Dutheil, quand on se met à la place des propriétaires, tous les deux jours à la télévision, il y a un reportage sur les arnaques à la rénovation avec des Français qui sont endettés sur très longtemps, qui comptaient sur des primes qui ne tombent pas parce qu'ils sont face à des margoulins. Il y a ces lettres dont alors vous êtes affublé d'un G, d'un F. D'ailleurs, question téléspectateur, le gouvernement a-t-il vraiment les moyens de vérifier si les logements sont des passoires thermiques? Est-ce que derrière, la logistique suit pour cette rénovation qu'on impose à 5 millions de logements? Non, elle suit assez moyennement. Il faut voir que déjà, ça avait mal commencé avec les DPE, parce que vraiment, les premiers calculs... Les diagnostics de performance énergétique. Voilà, ils étaient déjà mal faits, donc il a fallu les revoir. Pour pas qu'on en rajoute de trop, quand même, dans cette catégorie. Après, un tout petit bémol, ça fait des années qu'on en parle, les propriétaires auraient, pour certains,
pu anticiper quand même les travaux de rénovation. C'est comme quand on a une interro, on révise toujours la veille. Oui, sauf qu'a priori, on sait que le devoir de maths, ça demande potentiellement moins de temps de travail que rénover intégralement un logement. Parce que quand on est G, c'est qu'il faut a priori à peu près tout refaire dedans. Après, vous avez totalement raison, il y a un énorme marché, au démarrage, ça a généré beaucoup de fraudes, il y a quand même maintenant des contrôles qui sont un peu mieux assurés, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont labellisées pour le faire, et puis d'une certaine manière, la chute du marché du neuf dont on parlait il y a un instant va faire qu'il va y avoir un peu plus de capacité pour certaines entreprises à se concentrer là-dessus. Moi, je pense que quand même le gouvernement ne va pas reculer sur la date du 1er janvier 2025, mais en revanche, parce que là, logiquement, il faut sortir du G pour aller beaucoup plus haut dans le classement. Je pense que si on sort du G, on va au F et puis après on remonte, ils vont peut-être laisser un petit délai. En tout cas, c'est ce sur quoi, quand même, là, en ce moment, ils sont un peu en train potentiellement de travailler, parce que vous avez intitulé votre émission La bombe sociale. Là, on est quand même dans une forme de bombe sociale. Oui. Au dernier moment, s'il faut reculer une échéance, le Parlement le fera. Si un an avant, on n'est pas dans les clous, bien sûr qu'on repoussera. Parce que Jean-Laurent Casselli, c'est très bien, le mal-logement, il faut le combattre, mais il y a pire que le mal-logement, il y a le non-logement. Est-ce que maintenant, se loger dans les métropoles, là où il y a du travail, vous nous disiez, est-ce que c'est mission impossible pour la classe moyenne? Question de Lionel en Seine-et-Marne. L'accès à la propriété est-il dorénavant réservé aux riches, aux très riches? En tous les cas, dans les centres-villes, dans les métropoles. Je ferais volontiers un parallèle avec ce qui se passe dans les transports. Vous avez montré à l'écran le nuancier du DPE. Et il y a l'équivalent des transports, c'est la vignette critère. Et plus vous avez une vignette critère claire, plus votre véhicule est récent, plus vous pouvez circuler dans les grandes villes. Voilà. Et plus votre véhicule est l'équivalent d'une passoire thermique, c'est-à-dire une épave au diesel, plus vous allez être rapidement interdit de circulation dans ces métropoles. Et en fait, c'est une, donc ça s'appelle le ZFE, zone à faible émission. Zone à faible émission, exactement. On finit par s'y perdre avec tous les sigles de ces dispositifs. C'est ZAN, l'autre. ZFE, ZAN. On parlera tout à l'heure, j'en suis sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'avec ces interdictions, ces carcans, on voit bien qu'on est face à la question de l'acceptabilité sociale de la transition énergétique, climatique. C'est-à-dire que les gens, il y a eu un sondage encore récemment, là, Odoxa Blackburn, je crois, qui est paru sur les passoires thermiques. Les gens vous disent à 80%, oui, on est pour s'attaquer à ce problème, c'est très important, c'est prioritaire. Puis quand on leur demande est-ce qu'ils vont faire des travaux ou est-ce qu'ils sont d'accord pour reporter le calendrier, ils sont aussi une courte majorité à dire oui, on veut bien reporter le calendrier. Donc sur les ZFE, d'ailleurs, la métropole de Paris a déjà reculé sur la question de l'automobile. On devait interdire un certain nombre de véhicules anciens en 2024 et en fait, on recule parce que, comme vous le disiez, la logistique ne suit pas et on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Voilà. Donc là, il y a un vrai paradoxe. Henri Buzicazot, Emmanuel Dittey disait le problème du manque de logement, c'est qu'on n'a pas assez construit. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix. Il y a toujours une demande non satisfaite. Parce que c'est vrai que quand on regarde les prix immobiliers, alors ils ont un peu baissé quand même. Moins 5% à Paris, alors moins 8% à Bordeaux et moins 8% à Lyon. Votre analyse sur cette baisse des prix, est-ce qu'elle va s'accélérer ou bien non? Il y a un manque de logements structurels, donc ce qui est rare et cher, donc ça va rester élevé. On n'a pas assez construit, un seul chiffre quand même. 300 000 logements, c'est à peu près ce qu'on va produire en 2023. C'est ce qu'on produisait en 1990. Il y avait 18 millions d'habitants de moins en France, moins de décohabitations, moins de couples qui se séparaient. Donc le volume de la construction, bien sûr, n'a pas été ménagé. On a mal aménagé le territoire. Et les Français aujourd'hui veulent non pas habiter seulement dans les 11 métropoles, mais dans des villes moyennes, mais dans des territoires ruraux. Et on a congestionné, c'est ça qui a fait monter les prix. Aujourd'hui, les prix de l'ancien et les prix, le prix du foncier, le prix des terrains sur lesquels on bâtit les logements neufs, et le terrain fait 50% à peu près du coût de construction, vont baisser, sont en train de baisser. Ah. Il ne peut pas en être autrement. Malgré la demande, parce que vous avez perdu aujourd'hui avec l'inflation à peu près 25% de pouvoir d'achat logement. Un jeune ménage à revenu égal, il peut emprunter 25% de moins, du fait de la hausse des taux. 25% de moins. Voilà. Donc les prix devraient baisser de 25%. Il faut donc que l'oxygène que cet emprunteur, jeune ou moins jeune, a perdu, soit pour partie au moins redonné par les prix. C'est à l'œuvre. Il ne faut pas dire l'inverse. Les observatoires ne le disent pas encore parce qu'il y a un effet retard. Mais en 2023, on aura eu une baisse qui probablement aura été, selon les marchés, de 10 à 15% par rapport à des prétentions de vendeurs qui souvent sont même sur de l'anticipation
On le constate aujourd'hui sur quantité de marchés. Moi, je suis favorable au café du commerce. Les observatoires, c'est très gentil. Vous parlez avec des agents immobiliers partout en France. Ils vous disent, si je ne corrige pas, si je n'obtiens pas de mon propriétaire une réfaction de 8, 10, 12, 15%, la vente ne se fait pas. Voilà, c'est mécanique. Donc, même s'il y a une pression... Et les propriétaires, ils rechignent évidemment. Les vendeurs rechignent. On a une culture de marché en France qui pose un problème. C'est-à-dire que ce qui pourrait être corrigé dans des pays anglo-saxons en 3 ou 6 mois va mettre 1 an, 2 ans à se faire en France. La baisse des prix, on a un problème avec ça. Ceux qui ont fait des plus-values, c'est quand même 80% de ceux qui vendent. Ils ont fait des plus-values. Ils ont acheté il y a 10 ans, 15 ans. Et donc, ils ont gagné souvent sans imposition, si c'est la résidence secondaire. Principale. La résidence principale. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils l'oublient. Donc, ce n'est pas facile, évidemment, de dire je vais sacrifier 30, 40, 50 000 euros, mais c'est ce qui permet la vente. Je voudrais revenir à ce que vous disiez au tout début de votre intervention. Vous disiez on construit autant de logements qu'en 1990, oui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de population, 18 millions de plus, et il y a plus de divorces. Est-ce à dire qu'à cause de ce manque de logements, il y a des divorces qui ne se matérialisent pas? Non, mais attendez, c'est très simple. Quand on parle de bombe sociale, bon, mettons des réalités, après vous jugerez si le mot est bon, mais les tensions sociales sont extrêmes, il y a 5 grandes raisons de changer de logement. C'est les naissances et les décès, ce sont des couples qui se forment ou qui se séparent, des divorces, et c'est la mobilité professionnelle. Les 10% qui restent, c'est les résidences secondaires, mettons-les de côté. Ce sont des causes avec lesquelles on ne transige pas. Quand un enfant naît, il faut la chambre de plus. Quand il y a un décès, il faut pouvoir se replier sur un logement moins grand parce qu'on ne peut pas entretenir un plus grand. Et quand on divorce, eh bien évidemment, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble. Il y a aujourd'hui une proportion énorme, les mères le savent, ça, ils le sentent, de couples qui ont décidé le divorce, parfois même il est prononcé, et on continue à vivre ensemble. C'est sordide. Des couples qui ne se supportent plus et qui continuent de vivre ensemble pour des raisons immobilières. Mais bien évidemment, il y aura des conséquences en termes de violence conjugale. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà, donc c'est ça la bombe sociale. Pascal et Belle, on parlait aussi de logement. On voit que les naissances sont au plus bas. Oui. Est-ce qu'au fond, cet immobilier fait qu'on rogne sur tout parce que c'est un logement contrainte, on a moins d'enfants, on va économiser ailleurs. Est-ce que ça vous pourrit la vie, quoi ? Oui, de toute façon, on sait très bien que, par exemple, les sujets qu'il y a sur l'aide alimentaire, ça vient du logement, en fait. C'est-à-dire que c'est des vases communicants. Ce sont les mêmes qui ont un poids du logement très important et qui ont un poids de l'alimentation très important. Et on l'a toujours dit, c'est-à-dire que quand il y a des tensions sur le logement, ça se reporte sur des difficultés à manger. Et là, comme en plus on a des difficultés à manger parce qu'il y a un vrai sujet sur l'inflation alimentaire, eh bien ça se reporte sur le budget du logement. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a 6% de gens qui vivent dans des logements gratuits, on se débrouille. Il y a des colocations qui augmentent, les jeunes vivent à plusieurs, les étudiants, ils ont mis ça en place depuis un petit moment, et on va vivre... Et dans la vie active, on peut faire de la colocation. Autrefois, la colocation était réservée aux étudiants. Maintenant, on est banquier, et puis hop, on fait de la colocation. Il y a à peu près 10% des 18 ans et plus qui vivent en colocation, et donc c'est des jeunes actifs qui n'ont pas les moyens de faire autrement, qui continuent après avoir été étudiants, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui le font, ils ont trouvé que finalement ça pouvait bien se passer et continuent à faire de la colocation et donc vivent à plusieurs. Et c'est une cause de baisse de la démographie. Quand on ne peut pas trouver un logement, et notamment à prix abordable, eh bien on ne fait pas le deuxième ou le troisième enfant qu'on souhaiterait. Donc quand on voit que le nombre de naissances est au plus bas depuis l'après-guerre... C'est une cause. Ce n'est pas verbalisé. Un ménage ne vous dira jamais, même dans un repas d'amis, on n'aura pas ce deuxième enfant parce qu'il coûte, en clair, un enfant de plus à Paris, ça coûte 90 000 euros, si vous prenez 10 000 euros du mètre carré. Voilà. Ce que je dis est affreux. Mais dans l'inconscient collectif, c'est ce qui se passe. On fait des enfants quand on peut les élever quand dignement. Clair. Jean-Laurent Casselli, d'ailleurs, en termes d'immobilier, est-ce que les Français ont toujours les mêmes aspirations? On disait beaucoup que c'était le pavillon un petit peu au vert. C'est toujours ça? Est-ce que les aspirations immobilières ont changé? Alors, on a beaucoup dit que depuis le Covid, l'expérience assez traumatisante des confinements pour les citadins, l'hégémonie de la maison individuelle s'est encore renforcée. En tout cas, dans les discours, je l'ai vu, alors je prends souvent cet exemple des magazines qui faisaient il y a 10 ans, vous savez, le top des métropoles dans lesquelles il fait bon vivre. Alors il y avait toujours Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Maintenant, c'est le top des villes moyennes. Parce que c'est devenu trop cher, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Pas seulement.
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a la raison financière, effectivement, on va vers des marchés de report. Mais je pense aussi que le regard a changé, c'est ce qu'on appelle parfois la France périphérique. Les gilets jaunes sont passés par là, le Covid est passé par là. On a un regard, je pense, parmi les élites urbaines aussi moins condescendant sur la France des territoires, comme on dit aussi parfois, et sur ce fameux pavillon qui est assez pluriel, hein, parce qu'il y a du pavillon de constructeur, d'entrée de gamme, il y a des maisons aujourd'hui. Le pavillon des années 50-60 est racheté. Moi, j'ai fait un reportage dans la région d'Aix-Marseille l'année dernière sur... Qui rachètent des pavillons dans les premières couronnes des grandes villes. Et en fait, là, vous aviez un couple d'employés dans les années 80, vous avez un couple de cadres de CSP+. Donc, il y a vraiment cette espèce de ruissellement à l'envers qui fait que chacun pousse la catégorie qui est au-dessous de lui dans la hiérarchie immobilière. Et donc, on a beaucoup parlé de la gentrification des grandes villes. Donc, les Français les plus modestes sont expulsés de plus en plus loin du cœur. Oui, il y a une correction, là, vous l'avez dit, notamment sur les maisons dans la grande périphérie francilienne, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. Quoi. Le pavillon à 700 000 euros, c'est du délire. Mais on a vu que ces franges urbaines dans lesquelles habitaient plutôt des ménages moyens ou modestes ont été aussi investies par des ménages plus aisés, parce que elles sont bien connectées, ces communes sont bien connectées, encore une fois, au marché de l'emploi, et puis que la maison individuelle avec jardin, ça séduit une grande majorité, en tout cas, des ménages quand ils ont des enfants. 71% des ménages. Je viens du salon de Toulouse, une région qui a toujours aimé la maison individuelle. Ce matin, au salon de l'immobilier, on faisait le test sur les deux premiers jours de fréquentation. 71% des visiteurs viennent pour acheter une maison individuelle, qui n'est pas le même cas. Sauf que, Emmanuel Dutheil, l'ancienne ministre du Logement, avait gaffé en disant le rêve de la maison individuelle, il faut oublier, parce que maintenant, il faut préserver la nature, il ne faut plus bétonner. C'est la fameuse loi, le ZAN, le zéro artificialisation nette. Et d'ailleurs, hasard de calendrier, on apprend aujourd'hui que Laurent Wauquiez annonce que Auvergne-Rhône-Alpes sort du dispositif du zéro artificialisation nette. C'est un peu la version l'écologie, ça commence à bien faire. Moi, j'ai des administrés à loger. C'est un peu ça. Après, il faut la nouvelle ministre de la biodiversité qui s'appelle Sarah El Haïry lui a par ailleurs répondu. Il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est le zéro artificialisation net. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de construire des logements, de construire des usines sur des zones qui n'avaient pas été jusque-là déjà constructibles. Donc, c'est effectivement, ça pose un gros problème. Typiquement, on n'avait pas eu l'usine Intel, qui était l'un des plus gros projets industriels en Europe, parce qu'on n'a pas été capable de leur proposer un terrain suffisamment grand. Et pourquoi on n'avait pas ce terrain suffisamment grand? Parce que on aurait artificialisé une zone énorme. Et en plus, ça s'impose aux ménages et aux entreprises. Ça s'impose à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai problème pour construire. Après, attention, c'est-à-dire que est-ce que l'idée est louable de cette réforme? Sûrement. C'est-à-dire qu'on a trop artificialisé les sols, on a un vrai problème de pollution des sols en France, donc c'est intelligent d'avoir travaillé là-dessus. Bon, la rumeur voulait qu'ils attendaient les élections sénatoriales pour laisser passer et peut-être revoir un petit peu ça. Notamment, il y a une rumeur qui laisse entendre que tout ce qui serait très écologique, donc des logements, par exemple, éco-responsables ou des usines totalement éco-responsables, pourraient sortir du zéro artificialisation net. Après, il y a plein de moyens de le contourner. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui en France beaucoup de friches industrielles. Des terrains industriels à l'abandon. Il n'y a pas de surprise. Hein. Pourquoi on construit en ce moment les gigafactories pour les batteries à Dunkerque? C'est parce que là-bas, il y a du terrain. Vous avez du terrain dans le port de Dunkerque, vous avez du terrain autour. Moi, j'étais la semaine dernière à Dunkerque, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer, et je trouve que c'est un bon laboratoire de ce qui va devoir être le logement de demain. C'est la ville du ministre, en outre. C'est la ville du ministre du logement, Dunkerque. Mais je vais vous parler d'une toute petite ville qui est juste à côté, dont vous avez, je pense, jamais entendu parler, qui s'appelle Bourbourg. Bourbourg, il y a 7000 habitants aujourd'hui, mais ils viennent de gagner l'usine de Vercors, donc qui va être une des plus grosses gigafactories de batteries, puis un bout de l'usine Prologium. Vous imaginez, dans une petite ville de 7000 habitants, ils doivent donc construire à tout va des logements. Mais les logements, il faut qu'ils les imaginent pour se muter. Parce que typiquement, ceux qui vont venir construire les usines, principalement des gens qui vont venir seuls construire l'usine, mais ceux qui vont travailler dans l'usine demain, ils seront sûrement en famille, parce que là, c'est des gens qui vont venir. Donc, il faut préparer ces logements, donc sûrement de la colocation pour ceux qui vont venir construire l'usine, et puis pour ceux qui, après, travailleront dans cette usine pour la faire tourner, pour construire les batteries, ce sera des familles. Le maire a un défi, du coup, gigantesque face à lui, parce que là, on parle du logement. Mais derrière, vous devez créer, à chaque fois que vous créez des logements, il y a des strates de normes. Donc vous devez créer une école en fonction d'un certain nombre de logements, vous devez avoir des centres sociaux. Et tout ça aujourd'hui est compliqué, mais si on regarde le verre à moitié plein, on va réaménager la carte
grâce aussi à tous ces nouveaux projets. Je vous encourage à aller faire un petit tour à Bourbourg. Henri Buzy-Cazaux, quand même, le fait que Bruno Le Maire, cette semaine, d'ailleurs, il s'est fait rattraper par la patrouille, mais lui aussi a eu sa version de l'écologie, ça commence à bien faire, il faut que les Français puissent se loger. C'est le signe de quoi, quand même? Que le politique dit, on ne peut pas ne rien faire face à cette bombe sociale qu'est l'immobilier, qui est en train d'exploser. Hein, le logement, premier poste de dépense des ménages, et avoir un toit, c'est la base de la dignité, hein, sinon on est un SDF. Hein. L'équation est difficile, elle n'est pas impossible. Le zéro artificialisation nette, est une chose nécessaire. Il faut rappeler les échéances. C'est 2050 pour cesser toute artificialisation. Ça, c'est la loi du 24 août 2021. Ce n'est pas demain, c'est 2050. Les maires, effectivement, se sont tétanisés, ont anticipé, et donc aujourd'hui disent non, on ne construit plus. Au point qu'il a fallu une loi d'août 2023 pour assouplir déjà le ZAN et pour dire, tiens, si vous faites un projet mais qu'il y a des espaces verts, eh bien, il y a un mécanisme de compensation, on va calculer différemment. Et puis, il faut densifier. Là, il y a un vrai sujet. Même les maisons individuelles, aujourd'hui, sont plus denses. C'est-à-dire, on fait des maisons mitoyennes, des maisons à étage, avec des terrains dont la superficie a été divisée par 10 en 15 ans. Il faut accepter des immeubles qui vont être plus hauts d'un étage ou deux. Et l'opinion elle-même se heurte aux maires lorsqu'ils disent on va densifier. Ce qu'on ne va pas étaler, il va bien falloir, pour loger les ménages, le faire en hauteur. Voilà, il ne faut pas être un grand architecte pour imaginer ça. Donc, c'est le retour des tours. Le ZAN, c'est, on ne va pas aller jusqu'au tour des immeubles un peu plus hauts, voire des surélévations d'immeubles existants. Et puis, il y a effectivement des terrains aujourd'hui déjà imperméabilisés, des parkings inutilisés d'hypermarchés, des friches industrielles. On est amené à être plus imaginatif, mais il faut en passer par là. Et quand Laurent Wauquiez dit on va s'en dispenser, d'abord, il faut lui rappeler que c'est une loi de la République, donc il ne va pas pouvoir s'en dispenser. Et il vaut mieux mettre de l'innovation, aider les promoteurs, aider les maires à faire, parce qu'on devra en arriver là. Et l'échéance de 2050, ce n'est pas 2024. On peut quand même faire œuvre d'imagination et arriver à construire. Jean-Laurent Casselli, j'ai parlé de la dignité et l'absence de dignité de ne pas avoir un logement. Alors on peut évidemment se retrouver SDF et garder toute sa dignité, mais néanmoins, est-ce qu'il y a le sentiment ne pas avoir accès à la propriété, est-ce que ça nourrit un sentiment de déclassement qui est insupportable, cette difficulté? On a un emploi, on est deux, on a un revenu, et ne pas avoir accès au logement qu'on espérait, c'est terrible à subir. Ah bah, j'en suis certain, ça crée de la frustration et toute une génération apprend à gérer sa frustration immobilière puisqu'on est arrivé à une sorte de plafond de verre de la gentrification, donc c'est terminé, hein. Pourquoi ça va baisser dans les grandes villes? Parce que plus personne ne peut acheter, donc c'est vrai que encore une fois, je reviens sur l'axe générationnel, dans différentes catégories sociales, la frustration se manifeste de manière différente. J'avais discuté l'année dernière avec un financier qui me disait, dans mon équipe, il n'y a que des jeunes qui démarrent avec des salaires très supérieurs à la moyenne, à 25-28 ans, et qui votent tous Mélenchon parce que ils peuvent rien se payer dans Paris, ils peuvent se payer un deux pièces au bout d'une ligne, voilà, de métro qui est pas la plus la mieux fréquentée. Donc vous imaginez, si pour un jeune cadre qui est plutôt hyper privilégié, c'est compliqué, comment c'est pour le couple modeste, alors certes qui n'habite pas dans des métropoles aussi tendues, mais et on le voit sur le vote, la traduction politique chez les diplômés en déclassement, c'est plutôt le vote de gauche, et puis de gauche radicale, et puis chez toute une partie des ménages du grand périurbain, c'est plutôt un vote RN, quoi, ou une abstention, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une politisation de cette frustration, c'est rien n'est fait. Les politiques s'en emparent assez peu, finalement, de ce très sujet peu, qui, pourtant, c'était pas un sujet pour la présidentielle, est central dans le quotidien des Français. C'était pas un sujet pendant la présidentielle. Et là, vous l'avez dit, hein, c'est arrivé à l'agenda très, très rapidement. Et probablement, j'espère que ça va plus nous quitter, quoi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les principaux partis politiques de la majorité et ces deux oppositions ont fait comme si ce n'était pas un sujet primordial pour leurs électeurs. Emmanuel Dutheil. Après, ce qui va être aussi très intéressant là, quand on parlait de l'emploi, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des principaux freins à la mobilité, c'est d'avoir son logement à un endroit précis. Vous savez, là, on parle de zones dans lesquelles les prix ont fortement augmenté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en France un truc qui s'appelle la diagonale du vide, où là, bien souvent, votre emprunt immobilier, il vaut plus cher que le prix de votre maison. Et c'est une des grandes raisons du problème de mobilité. Quand on dit aux gens et qu'on regarde un tableau Excel, ah bon sang, il y a plein de travail ici, il y a plein de postes, et puis là-bas, il y a plein
plein de chômeurs, ils ont qu'à venir. Franchement, c'est pas simple. C'est-à-dire quand vous êtes dans cette diagonale du vide, que votre maison vaut donc moins cher que votre prêt immobilier, que vous avez un petit peu de soutien familial grâce aux grands-parents pour vous aider à garder les enfants, et qu'on vous dit va travailler à La Roche-sur-Yon, c'est très joli La Roche-sur-Yon, il y a énormément d'emplois, mais vous n'avez plus le soutien familial et l'immobilier là-bas est hors de prix. Abondit. Et c'est ça aussi qui est quand même difficile dans cette question du logement et dans le fait qu'aujourd'hui, on a une France qui est un peu bloqué par une carte, je crois que c'est vous qui disiez ça, par un aménagement du territoire qui a été aujourd'hui mal fait. On a mal imaginé les futures zones. Finalement, presque avant de construire une usine, il faudrait construire du logement. Parce que si on veut donner envie aux gens de venir travailler, il faut effectivement qu'ils puissent se loger à des tarifs corrects, dans un bien correct. Alors, vous parliez de la mobilité ou de comment l'immobilier peut freiner la mobilité professionnelle. Eh bien, le problème de logement touche un secteur en particulier, celui des saisonniers. Je vous propose ce reportage à Nice. C'est l'une des villes les plus chères de France, hein, après Paris, où les saisonniers ont des difficultés chaque année pour trouver un hébergement temporaire avec des salaires pas toujours très élevés. Aubry Perrault, Emmanuel Bach et Benoît Thébault. Appeler des renforts tout en continuant à faire le café. Ouais, Soussane, je vous réveille. Ce matin-là, ce gérant de bar-restaurant tente de convaincre l'un de ses employés de venir plus tôt que prévu. Vous pouvez venir à midi ou pas? Ça marche? Merci, Soussane. Voilà, vous avez fait une belle paye comme ça, ce mois-ci. Car trois minutes avant l'ouverture, la serveuse programmée ne s'est pas présentée. C'est un casse-tête permanent? Oui, tout le temps. Tous les jours, il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un souci personnel ou autre, entre guillemets. Tom Vendeur doit donc mettre la main à la pâte. Madame, monsieur, bonjour. Car recruter du personnel devient de plus en plus compliqué. Un croissant, un pain au chocolat, quelque chose. Pour vous donner un exemple, mon chef hier est en repos, il est venu pour faire passer trois entretiens sur la journée, il est venu pour rien parce que les trois personnes ne sont pas présentées. Il y a cette conscience professionnelle où on ne se rend pas compte qu'il y a une équipe derrière. C'est comme une équipe de foot, une équipe de rugby, une équipe, c'est dès qu'il manque un maillon de la chaîne, ça, c'est tout le monde qui prend en conséquence. Dans ce secteur très passant, on va dire que c'est la rue l'axe principal parce qu'on a l'accès à la plage qui se fait juste derrière. Tom Vendeur a même dû se résoudre cet été, lorsque la saison battait son plein, à fermer l'après-midi. Une solution plutôt radicale choisie par plusieurs restaurateurs ici. Car à Nice et dans sa région chaque année, les saisonniers manquent à l'appel. Des saisonniers qui peinent à se loger dans l'un des secteurs les plus chers de France. Donc là, on est dans ma chambre. Et juste ici, on a la chambre de mes deux colocs qui sont autrichiennes. Début juin, Anna Pourchet a découvert, non sans surprise, sa nouvelle maison sur la Côte d'Azur. L'avantage, c'est vraiment la vue, parce qu'on a vraiment une vue mer. L'hôtel pour qui elle travaille règle le loyer. Sans ça, cette gouvernante de 20 ans aurait-elle pu accepter un poste avec un salaire de 1 800 euros? Honnêtement, non. C'est sûr que le logement, c'est très important parce qu'on a peu de temps entre nos deux saisons et c'est pour ça que c'est important d'avoir un logement. Et c'est sûr qu'avec des salaires entre 1 000 et 2 000 euros, c'est compliqué de pouvoir se loger, sachant que l'été, la plupart du temps, on est un peu tous sur la Côte d'Azur et l'hiver, plus à la montagne, vers Courchevel, tout ça. Donc c'est compliqué au niveau des salaires. Comme elle. Service, bonjour. Une partie des saisonniers de cet hôtel sont logés gratuitement. Leur employeur débourse pour cela 300 000 euros par an. Car dans cet hôtel prestigieux, il faut assurer un service haut de gamme 24 heures sur 24. Il y a à peu près 8 000 mètres carrés de surface intérieure et 1,5 hectare de jardin. Avec des jardiniers. Non, ça ne s'arrête jamais. Mais selon Bruno Mercadal, à la tête de l'établissement depuis 2002. Comment ça s'est passé, Amélie? Les temps ont changé, et notamment depuis le Covid. C'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi. Et aujourd'hui, même s'il y a de la passion, malgré la passion, je crois que tout le monde aspire à une vie de famille, tout le monde aspire à une vie normale. L'année dernière, 65 000 postes de saisonniers n'ont pas été pourvus. Une situation telle que le gouvernement a lancé fin mai un plan pour sauver cet emploi temporaire mais nécessaire. Parmi les mesures principales, l'hébergement, en réservant notamment des logements sociaux dans les zones les plus touristiques.
Jean-Laurent Casselli, est-ce que cette flambée des prix de l'immobilier est en train de ghettoiser la population? On a des ghettos de riches, au point qu'on a presque l'impression à Nice que ça devient problématique, parce que ces ghettos, il n'y a plus de Français moyens pour les servir, pour assurer le service de ces ghettos. Oui, c'est l'effet pervers de la ruée vers la mer. Il y a un petit parti qui lutte sur ces sujets en Bretagne et qui avait fait un tweet très drôle en expliquant que la Bretagne ne pouvait pas accueillir toute la richesse du monde. voilà, donc il y a effectivement cette attractivité, non seulement des métropoles, on l'a dit, mais de plus en plus de ce qui était une génération avant des communes de résidence secondaire. Cette attractivité à l'année, elle a évidemment des impacts sociaux, puisque sur toute cette bande littorale, c'est la même question d'ailleurs dans les stations de ski, les saisonniers, vous l'avez dit, qui sont nécessaires pour faire tourner l'économie touristique, et puis pour faire tourner aussi les maisons des télétravailleurs, voilà, des actifs qui s'installent, des retraités, ces gens ont besoin aussi de se loger dans le parc privé. La Fondation Abbé Pierre a fait dans son rapport 2023, toute une étude très intéressante sur où peuvent se loger des couples au SMIC, une mère célibataire aux minima sociaux, un couple de retraités modestes. Et ils ont pris plusieurs communes types, alors les grandes villes, mais aussi la première couronne de banlieue à Strasbourg, à Nantes ou à Marseille. Ils ont aussi pris des petites villes comme Tarbes, Aubervilliers. Bon, enfin, résultat des courses, quand vous regardez leur tableau, il y a à peu près qu'à Tarbes que les ménages modestes peuvent se loger. Et encore. Ça veut dire difficile. Qu'il n'y a plus de mixité dans les écoles. L'immobilier a territorialisé, selon les revenus, les Français. Vous avez raison, c'est une vraie question. D'ailleurs, on le voit dans les grandes villes, puisque de plus en plus les écoles sélectives recrutent des jeunes, des étudiants qui sont de plus en plus homogènes socialement, tout simplement parce que les parents ne peuvent plus les emmener monter en fait, à la capitale ou à Lyon pour suivre leurs études. Henri Buzicazo, alors vous qui êtes du Pays Basque, cette expression, on pourrait la reprendre à Biarritz. Biarritz ne peut pas accueillir toute la richesse du monde. Les habitants, sont à deux doigts de la révolte contre ces riches. Alors, pour ne pas parler que du Pays Basque, mais qui sans doute est l'un des pays les plus malades de cela. Est-ce qu'il y a des manifestations là-bas contre ça? Oui. Voilà, quand on parle de bombe sociale, on dit mais les gens ne descendent pas dans la rue. Si, il n'y a pas de semaine en Pays Basque, mais aussi en Bretagne, il y a des mouvements qui se constituent, des petits partis, des manifestations pacifiques ou pas, tellement c'est douloureux. En fait, ce sont des territoires qui cumulent deux problèmes. Les problèmes qu'on a décrits, qui valent pour toute la France, et puis leur attractivité. Elles sont victimes de leur attractivité, ces communes, avec les locations meublées de courte durée, notamment, on en parle, et le gouvernement va prendre des mesures, le Parlement va l'inciter pour limiter ces Airbnb qui stérilisent des logements de plus longue durée. Et deuxièmement, les résidences secondaires. Un décret vient de paraître au mois d'août qui permet à 2500 communes de plus. Ça vient s'ajouter à 1200. Ces communes-là peuvent majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puisqu'elles continuent à exister, pour éviter ces logements vides, Venise, vacants. Quoi. L'effet Venise, et qu'on a effectivement, dans toutes ces villes très attractives, sur tout notre littoral, on a un pays très attractif, mais aussi dans les zones de montagne. Et non seulement les saisonniers ne peuvent pas s'y loger, mais les personnes, effectivement, qui, tout simplement, sont nécessaires à la vie locale. C'est une infirmière libérale, c'est un artisan, qui vont se loger à une heure et quart de leur travail. Pascal Hébel, Louis en Vendée, l'habitat, la voiture, l'alimentation sont plombés par l'inflation, la guerre, le climat. Même avec deux salaires, qui peut s'en sortir? Alors on a vraiment cette question qui est une vraie bombe sociale, c'est qu'en effet on a finalement des inégalités qui s'accroissent, notamment quand on a enlevé ce poids du logement. Et c'est un peu ça qui s'est fait au cours du temps, c'est qu'avant il n'y avait pas d'écart entre les catégories de population les plus modestes et les plus riches sur le poids du logement en 1980. Et aujourd'hui, il y a 10 points d'écart. Donc, c'est les plus modestes qui ont ce poids du logement qui est beaucoup plus important. Ils peuvent mettre jusqu'à la moitié de ce qu'ils gagnent pour se loger. Tout à fait. Donc, quand j'enlève ces dépenses contraintes, j'ai des inégalités qui s'accroissent. Et elles se sont accrues avec le Covid, puisque le poids du logement augmente. Donc, c'est très compliqué, en effet. Et on sent bien qu'il y a un sujet de contrainte. On le voit dans toutes les enquêtes. C'est plus 10 points, 20 points en un an sur les gens qui se restreignent, sur les
les gens qui n'arrivent pas à boucler le poids du budget. C'est 60% des Français qui disent qu'ils ont des difficultés sur le logement, pour payer le logement. Donc oui, il y a des difficultés qui sont latentes. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que ça touche des catégories de population qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de difficultés. Notamment sur l'aide alimentaire, il y a des gens qui n'y vont pas parce que c'est quelque chose qui... C'était pas pour eux. C'était pas pour eux. Donc le logement, c'est la même chose. Aller chercher du logement social alors qu'on n'en a jamais... dans la famille, on n'a jamais été vers ça. C'est d'où le sentiment de déclassement. Donc il y a une vraie question qui fait qu'en effet, il y a des émeutes et on sent bien qu'il y a des tensions qui sont latentes dans le pays. Allez, la crise immobilière sévit ailleurs en Europe. Alors, elle sévit en Chine, aux États-Unis, où l'accès à la propriété devient très difficile pour des millions d'Américains également. Et donc, eh bien, là-bas aussi, ces Américains se rabattent sur la location qui devient, où les prix explosent. Constance Meyer, Ilana Azinko. Aux États-Unis, il n'y a pas que les gratte-ciel qui atteignent des sommets. Les taux d'intérêt s'envolent et font la une des médias. Les taux d'intérêt dans l'immobilier continuent d'augmenter et atteignent 7,31%. C'est un bond important pour les taux d'emprunt qui sont à leur plus haut niveau depuis deux décennies. Des taux historiquement élevés à cause d'une politique de la Fed. En un an et demi, la Banque centrale des États-Unis a relevé ses taux directeurs 11 fois et assume le choix de la rigueur pour combattre l'inflation. 2% et restera notre objectif d'inflation. Nous sommes déterminés à adopter et à maintenir une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à ce niveau au fil du temps. Le revers de cette politique, c'est un marché de l'immobilier figé. Les ventes de maisons ont reculé de 22% ces 7 derniers mois. La hausse des coûts du crédit bloque des millions d'Américains pour acheter et vendre leurs biens, à l'image de cette retraitée. Les récentes augmentations des taux ont fait que nous avons changé nos plans. On espérait faire construire une maison avec 3 chambres. On n'en fera que 2 pour réduire la taille de la maison à cause des coûts liés à la construction. Un marché de l'immobilier grippé et des loyers qui explosent. À New York, réputée pour être la ville qui ne dort jamais, il est de plus en plus difficile de trouver un toit. Les petits appartements se louent en moyenne à 5 600 $. C'est 9% de plus en un an. Pour répondre à la crise, le maire de New York a décidé de s'en prendre à Airbnb et d'interdire les locations inférieures à un mois. 10 000 logements devraient ainsi revenir sur le marché. C'est déjà assez difficile de trouver un endroit où vivre pour nous New-Yorkais. Donc cette loi, c'est une bonne chose, c'est certain. Je pense que c'est probablement nécessaire. Vous savez, les logements sont totalement inabordables à New York. Mais je ne pense pas que la solution consiste uniquement à augmenter le nombre de logements. À travers les États-Unis, des milliers d'Américains n'ont plus les moyens de se loger, malgré leur emploi, et finissent par dormir dans leur voiture. Ce couple et leurs 2 enfants vivent sur ce parking depuis 9 mois. C'est très dur pour mon fils Daniel. Il m'a dit « Je déteste cette vie ». Et je te déteste. Les enfants nous demandent tous les jours, quand est-ce qu'on va avoir une maison ? Et on répond qu'on ne sait pas, mais qu'on essaie de faire de notre mieux. De l'autre côté de l'océan Pacifique, la Chine est elle aussi traversée par une crise sans précédent, provoquée par la chute d'un mania de l'immobilier, le promoteur Chu Jiayin, dirigeant d'Evergrande. Celui qui était l'un des hommes les plus riches de Chine est désormais l'homme le plus endetté au monde, avec 322 milliards d'euros de dettes. Arrêté il y a 2 semaines, il est désormais placé en résidence surveillée. L'entreprise a fait l'objet d'une notification des services compétents selon laquelle M. Chu Jiayin fait l'objet de mesures coercitives en raison de soupçons de crimes ou délits en infraction à la loi. Écrasé par ses dettes, le géant Evergrande est contraint de mettre un genou à terre, comme d'autres promoteurs immobiliers. À travers la Chine, des centaines de villes fantômes illustrent ces faillites. Cette auto-entrepreneuse a acheté un appartement sur plan qui devrait déjà être terminé depuis plusieurs années, mais l'immeuble est toujours ouvert aux 4 vents. C'est la résidence du bonheur, c'est son nom. On a mis toutes nos économies pour acheter ici. Mais peu de temps après la signature, le chantier a été arrêté. J'ai un prêt de 10 ans, tout doit être payé à la fin de cette année. Et je n'ai toujours pas d'appartement. Une situation pour laquelle les victimes ne disposent d'aucun recours. Comme elle, 45% des nouveaux acheteurs n'auraient pas reçu les clés de leur appartement à cause de faillites de promoteurs en Chine.
Jean-Laurent Casselli, on a vu dans le reportage aux États-Unis cette famille qui vit contrainte de vivre dans sa voiture. Question de Yacine en Ille-et-Vilaine. Le nombre de SDF a-t-il augmenté en France ces dernières années de la même façon ? Ce qui est sûr, c'est que les SDF sont la part la plus extrême, la plus visible en fait, de cette crise du logement. Au-delà de cette catégorie de population qui peut particulièrement visible, notamment dans les villes. Leur visibilité a été accrue. Je ne sais pas si le nombre a vraiment augmenté tant que ça, mais leur visibilité est accrue, un peu comme aux États-Unis où le homeless est devenu une figure un peu du paysage. Il n'y a plus de classe moyenne dans la ville. Il y a cette question dans les grandes villes américaines qu'on a vu dans le reportage à New York ou à San Francisco. Vous avez à la fois une grande attractivité du fait du tourisme, du fait que tout le monde a envie d'habiter à New York, du fait qu'à San Francisco, dans ces grandes métropoles, vous avez toutes les grandes entreprises du numérique. Vous avez le siège de Facebook, de Google, et on a beaucoup reproché à ces salariés avec des très bons salaires d'avoir justement fait exploser les prix. Et donc vous avez des villes un peu duales avec, si je caricature, un gars qui travaille chez Google à 300 000 dollars par an et un homeless qui est enjambé pour aller travailler. Quoi. Homeless. Donc, Il y a un point quand même important sur le marché américain, et nous on est quand même très protégés en France. Ce qui se passe là, c'est parce qu'ils ont des prêts à taux variable. C'est-à-dire même des gens, et il y a des gens qui avaient acheté quand les taux étaient très très faibles et n'avaient pas pensé, puisque personne ne pensait malgré tout que ça irait aussi vite dans la remontée des taux. Et donc beaucoup des gens, notamment la dame qui dit je passe de 3 à 2 chambres, ou de gens qui ne trouvent pas à se loger aux États-Unis, c'est des prêts à taux variable. En France, certes, les taux sont aujourd'hui élevés. Mais quand on a emprunté, on a emprunté à taux fixe. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance d'emprunter à 1%, et il y en a ces dernières années, ça reste à 1%. Et même aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté. Mais aujourd'hui, si vous avez un bon dossier sur 20 ans, vous empruntez à 4,2 environ en ce moment. Donc rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont deux pays qui ont laissé faire le marché. Bien sûr. Et par ailleurs, là, ce qu'on voyait sur la Chine, il se passe exactement ce qui s'est passé en Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, il y a 10 ans, était persuadée qu'elle allait avoir sa croissance en créant du logement. Et tout à l'heure, on disait qu'en France, on n'a pas assez de créer de logement, et ces pays en ont beaucoup trop créé. C'est là où c'est compliqué, l'immobilier. Oui, c'est qu'il faut taper juste, parce que là, ils ont construit n'importe où en Chine, donc des villes fantômes. Ils ont construit n'importe où, à des endroits où les gens ne vont pas s'installer, en respectant pas les normes, et surtout en ne respectant pas Evergrande, là, le promoteur qui est cité, qui était l'un des plus grands promoteurs au monde. Ils ont fait n'importe quoi. De la cavalerie. Exactement. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Roger, dans les Ardennes, Henri Buzicazo, si on déménageait un grand nombre d'activités dans la diagonale du vide, est-ce que cela aurait un impact positif sur le logement ? Et d'ailleurs, est-ce que certaines villes qui étaient à l'abandon redeviennent attractives ? Il y a des reportages sur Rouen qui récupèrent des habitants après en avoir perdu pendant des décennies. Non, mais c'est très clair. C'est la question de l'aménagement du territoire équilibré. Et encore aujourd'hui, dans le budget là, qui va être voté dans les 3 mois qui viennent, il y a des erreurs à cet égard. Le prêt à taux zéro, c'est un produit que les ménages connaissent bien. Eh bien, dans la nouvelle version qui a été écrite par le gouvernement, on le concentre sur les zones les plus concentrées. On refait la même erreur, notamment pour bannir la maison individuelle. C'est une erreur. On ne favorise pas non plus la création de logements locatifs dans ces villes moyennes ou dans ces territoires ruraux. C'est tout à fait vrai. Une seule illustration, le dernier ministre du logement qui a eu l'aménagement du territoire, qui a une volonté dans son titre, s'appelle Pierre Méhaignerie. Il 1988. Ça fait donc. Non, mais c'est important de le dire. On n'aménage plus le territoire depuis 88. J'étais son conseiller à l'époque, alors je le dis avec affection, mais ça veut dire que depuis cette période-là, on ne considère pas que l'aménagement du territoire est une priorité. Et c'est évidemment l'erreur majeure. Serena, dans les Alpes de Haute-Provence, Emmanuel Duteil, vous nous parliez tout à l'heure de votre exemple de ville à côté de Dunkerque. Les nouveaux logements de type tiny house et maisons écologiques ont-ils le vent en poupe ? Non, c'est complètement epsilonesque, en tout cas pour les tiny houses. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment les toutes petites maisons apportées des États-Unis et du Canada. Là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Il y a un mini-marché, mais pour très très peu de gens. Après, les maisons très écologiques, tout le monde le souhaite, je pense en tout cas beaucoup de gens, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'aujourd'hui, toutes les normes obligent à avoir des maisons plus écologiques, puisqu'on doit avoir un peu plus de bois, par exemple aujourd'hui dans la construction. Ils réfléchissent aussi à améliorer des dispositifs, par exemple des stores qui permettent aujourd'hui de garder la chaleur ou de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop chaud l'été. Ça pourrait entrer peut-être dans MaPrimeRénov, en tout cas c'est en discussion en ce moment. Bon, ça tombe bien, on a un très gros groupe en la matière, hein, Somfy, que vous devez connaître. Voilà, on travaille là-dessus, mais là on est sur des micro-marchés. Les gens, je crois qu'on le dit assez bien depuis le début de cette émission, hein, ils veulent se
loger avant tout dans un truc à peu près correct. Les particuliers peuvent-ils faire eux-mêmes les travaux d'isolation, Henri Buzy-Cazot? C'est très compliqué ces travaux. Oui, c'est très complexe. Quand on disait tout à l'heure qu'on manquait d'entreprises compétentes pour mener à bien ces travaux qui doivent obtenir des résultats. Hein, aujourd'hui, on est amené à mesurer les résultats. Vous allez dépenser 15 000 euros. Est-ce qu'effectivement vous allez faire baisser votre facture énergétique? On peut faire des travaux et garder la même lettre F ou G infamante. Oui, bien sûr. C'est très complexe. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une certification reconnue garante de l'environnement, RGE, pour les entreprises. Alors, ceux qui réellement sont doués peuvent s'y risquer, mais très sérieusement, il y a une grande complexité. Alors justement, qui est habilité pour faire les diagnostics de performance énergétique, les DPE? Est-ce que ça s'achète sous le manteau? Tiens, vous ne voulez pas, je vous donne une petite enveloppe et vous me mettez la lettre A, là, celle qui va bien. Ah, mais il faut être très clair. Il y a aujourd'hui le risque que se développent ces pratiques, tellement l'enjeu de ne pas sortir son logement de la location est important, pèse effectivement sur les diagnostiqueurs cette menace-là, c'est une question d'éthique. Il y a des questions de formation, profitons-en pour en parler, de la filière des diagnostiqueurs, de structuration. Elle doit gagner en sérieux, en compétences. Est-ce que c'est compliqué de mesurer, j'imagine, la performance énergétique de votre logement? Alors, c'est compliqué. Il y a des logiciels qui, eux, sont fabriqués par l'État, c'est une chose, mais il faut savoir les utiliser. Et puis, il y a la question du prix des prestations. On est aujourd'hui dans une situation de dumping qui est préjudiciable. Un diagnostic de performance énergétique qui va être facturé, on voit des excès 50 ou 80 euros, eh bien sérieusement, est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'il faut passer du temps. Il va falloir faire venir des informations pour savoir quels travaux ont été faits, éventuellement faire des sondages. Techniquement, on sait aussi faire des sondages sans dégrader évidemment le bien. C'est un travail extrêmement fin. Cette filière-là est très récente et elle doit gagner en compétences. Elle est en train d'ailleurs de s'en saisir avec des cycles de formation qui vont se créer. Alors Nathalie, à Paris, que vont devenir les locataires des logements G en 2025? Comment vont-ils se reloger? Alors, ils ne vont quand même pas être expulsés, non? Il y a le risque d'un marché gris, il faut être clair, qui ne respectera pas la loi. Ouais, on est hors marche, oui, d'accord. Et puis bah, logiquement, on doit faire en sorte que ces logements ne soient plus gés. Et s'il le reste? Bien sûr. S'il en reste, oui. Les ventes de résidences secondaires sont-ils en hausse ou en baisse? C'est Jean... plus 1,2 par an. Oui, ça augmente? C'est plus 1,2% par an, donc ça augmente plus vite que le reste. C'est le signe de quoi, ça? Qu'il y a de l'argent? Oui, c'est ça. Et puis, c'est une conséquence du Covid. Et c'est aussi le fait qu'il y a un vieillissement de la population. C'est les gens les plus âgés qui, quand ils ont fini leur carrière, vont continuer à posséder et ils prennent deux logements. Et ils ont les moyens de le faire. Et il y a quand même des différences aussi générationnelles sur le patrimoine. Et donc, ça crée en effet des tensions dans certaines régions. On l'a dit sur tout le pourtour au bord de la mer. Mais par contre, il y a quand même un paradoxe. C'est que dans le centre de la France... C'est pas parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires que les prix sont plus élevés. Parce que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des résidences secondaires, notamment en Creuse, où le prix du mètre carré est très faible, bah, ça crée un peu d'activité. Donc les résidences secondaires, on peut les critiquer, ouais. Mais pas dans des zones où finalement ça amène du monde. Alors il y a aussi des étrangers quand même. Hein. Il y a, même si les Anglais sont un peu partis, il y a des investisseurs qui viennent avec des résidences secondaires, mais qui viennent d'autres pays. C'est 10%, 10% du parc. Des logements, oui. Hein, les résidences secondaires. Donc ça augmente. Voilà. Quelles conséquences à la pénurie de construction de logements dans le neuf, Emmanuel Duteil? Alors on sait que le secteur du bâtiment va connaître des périodes extrêmement compliquées, donc je pense qu'il faut s'attendre sûrement à des vagues de licenciements dans les... 200 à 300 000 emplois menacés. Peut-être pas cette année, mais de l'année prochaine, ça devrait commencer à... Dans les deux ans. Il y a déjà eu la faillite retentissante de la maison mère des maisons Phoenix, là. Géoxia, exactement. Voilà, ces fameuses maisons des années 80. Mais qui est très symbolique, justement, du moment que l'on vit aujourd'hui, parce que c'était un dossier qui réunissait beaucoup de difficultés. Oui. Des maisons qui étaient moins adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que quelque chose de très standardisé, une image de marque pas exceptionnel. Il y avait eu beaucoup de problèmes financiers avant la crise. Le Covid les a laminés. Après, les hausses, ils avaient passé beaucoup de contrats avant le Covid. L'inflation est arrivée. Quasiment tout ce qui allait se passer, ils allaient le vendre à perte. Donc, ça a été très compliqué. C'était un dossier dommage parce que pourtant très bien géré. Parce que l'inflation fait que le coût des matériaux a explosé. Mais ils avaient déjà prévendu. Et donc, ils fabriquaient à perte. Si le neuf chute, c'est parce que les jeunes ménages n'ont plus accès au crédit. Hein, et donc, ils ne peuvent plus acheter. Bien évidemment, avec des taux d'intérêt à 5%, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour une bonne partie de ce qu'on appelle les primo-accédants,
de pouvoir accéder à ce marché. Une conséquence aussi, c'est la baisse des rentrées fiscales. Hein. Bien sûr. C'est moins 5 milliards de TVA cette année. Les fameux frais de notaire qui vont dans la poche des notaires. Moins 5 milliards qui ne vont pas dans la poche des collectivités locales, des départements. On va avoir moins 5 milliards aussi. Donc il faut s'attendre à du moins 10 milliards de rentrées fiscales à cause de la baisse des ventes et de la construction. Quel rôle a joué Airbnb dans la crise de l'immobilier, Edith, dans les Alpes-de-Haute-Provence? Un rôle non nul. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'effectivement, il faut mettre des barrières pour qu'il n'y ait pas une stérilisation du parc des logements à des fins très lucratives. Il y a un risque de Disneylandisation de certains quartiers, bien sûr. À Paris d'ailleurs. On l'a à Paris. Et là, les Jeux Olympiques, évidemment, vont utiliser cette possibilité de se loger. Mais elle va favoriser aussi des excès et il faut contenir ces excès. C'est vrai dans toutes les grandes villes et dans toutes les zones attractives. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette crise immobilière, une bombe sociale. C'était le titre de cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'Hebdo et on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux. Bon week-end sur France 5.